Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. Reporté pour le dimanche prochain, mais un jour avant, soit le 28, quelques matchs.
matchs sont à suivre au programme. Le Lubumbashi Sport sera face à Bazanou. Tchinkunku jouera Lupopo. Et ce vendredi, Tchinkunku et Lupopo, les deux qui vont se croiser cet après-midi. L'un des entraîneurs des deux équipes était en conférence de presse. Donc je vous propose de suivre tour à tour Bertin Marcou pour Lupopo et Seguin Dombé pour Tchinkunku. Oui, l'objectif, il faut continuer dans cette lancée des victoires pour consolider notre prochain classement. C'est hyper important. Donc là, demain, on aborde aussi un adversaire de taille. Moi, je pense que jouer contre le dernier du classement, c'est comme si on jouait contre notre rival direct. C'est comme ça que moi, je comprends les choses. Quand vous jouez contre une équipe qui se recherche et au bas du classement et qui, en ce net moment, on peut dire qu'elle est à position de relégation, ce sont là des matchs très compliqués. Et cette équipe de Tchinkunku, j'ai toujours apprécié comment ils jouent. Et puis, ils occupent la dernière place, oui, bien sûr. Mais ils ont une équipe. Je sens un collectif, je sens la cohésion. L'autre fois, j'ai à suivre quelques séquences. Après, le si j'ai une bonne mémoire. En tout cas, c'est une équipe. Ce sont des joueurs qui se connaissent. Il y a quand même la cohésion. Sans la cohésion, ça tourne bien, ça circule bien. Donc, ce sont des équipes qui peuvent toujours faire du mal au cas où vous ne les considérez pas. Donc pour moi, c'est une très belle équipe de Tchinkunku qu'on va rencontrer demain. Et nous les considérons vraiment. Je peux vous rassurer une chose, c'est d'abord la manière de travailler qu'il y a pour travailler ces derniers temps. On a beaucoup de problèmes, bien sûr, mais on travaille sur eux pour attraper tous ces problèmes. Vous avez remarqué les un point qui nous a pris là, ce n'était pas facile. Parce que le match qu'on a perdu contre le Panda, c'est tout tellement blessé dans notre programme. Mais le match de demain, c'est un autre match. On va jouer contre une équipe aussi expérimentée à Guéry, qui a aussi des ambitions. Mais nous aussi, nous avons des ambitions pour chercher à changer la position de l'équipe par rapport au classement. Voilà ce que je veux dire. Guéry, il faut bien se dire que ça se présente comme ça. Non, parce que chaque match a aussi ses stratégies. Je vous dirais qu'il peut être traité, mais ça serait notre stratégie pour le match de Tchinkunku. Le Popo qui est une bonne série de victoires qui va rencontrer Tchinkunku. Depuis le début de cette compétition, on n'a gagné aucun match. Donc, c'est deux matchs entre deux équipes qui est l'une en confiance et l'autre en désespoir. Donc, c'est aussi un match à suivre cet après-midi au stade Kikula de Likasi à Kindou. Mani Magnon, après sa victoire sur les cinq clubs, sera face à la Renaissance, à l'Olympique Club Renaissance du Congo. Et pour ce dimanche, quatre matchs sont à suivre à Kolwezi. Simba sera face à Don Bosco, les Dauphins Noirs recevra la Sekouya, l'UTP Mazembe, éliminé de l'African Football League, sera face à Sa Majesté Sangabalindi. Pour terminer, l'SV Club qui sera reçu par l'Étoile du Kivu dans un match remis qui devrait avoir lieu depuis le 27 passé. Toujours en football, l'African Football League, la valeur réelle des équipes en course, ça sera les demi-finales qui sont programmées ce dimanche 29 octobre 2023. Le Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud sera face à Al Ahly dès 14h de Kinshasa. Al Ahly tenant du titre en Ligue des Champions et le record des trophées de la compétition, 11 couronnes, sera face à Mamelodi Sundowns qui est sur une bonne dynamique depuis le début de la Ligue des Champions, mais aussi depuis le début de cette African League, African Football League, match à suivre bien sûr à partir de 14h de Kinshasa. Et toujours ce dimanche, sur le coup de 19h de Kinshasa, le Wydad Athletic Club de Casablanca sera face à l'Espérance Sportive de Tunis, au bord du TP Mazembe en quart de finale. Le coup d'envoi de ce match sera donné bien sûr à 19h de Kinshasa. Il faudra signaler que les deux équipes étaient en demi-finale de la Ligue des Champions la saison passée. L'Espérance des Tunis était éliminée en demi-finale par le National Al Ahly et le Wydad Athletic Club de Casablanca. 20h de avant Mamelodi Sundowns, avant bien sûr de jouer en demi-finale contre le National Al Ahly. Voilà donc le tableau des deux demi-finales de l'African Football League qui
réjouissante à suivre ce dimanche à partir de 14h de Kinshasa, mais aussi à 19h de Kinshasa. À l'issue de ces deux rencontres, on saura les deux équipes qui joueront la première finale de la première édition de l'African Football League. L'actualité sportive sur Digital Congo FM. Avant la reprise du championnat provincial du football féminin à Kinshasa, le cercle sportif féminin Bikira s'est incliné ce samedi en amical devant l'équipe de masculine de la C Fortune, sociétaire de la 3e division Lukunga. Les pouliches du coach Kabongo n'ont pas fait le poids et ont perdu sur une large défaite 9-0. Bikira manquera d'abord un penalty et perdra le contrôle de la partie jusqu'à perdre sur ce lourd score. Rappelons que la saison dernière, le championnat Bikira avait terminé 2e au classement après Amani. Juste après ce match, les deux entraîneurs se sont exprimés au micro de Hubert Chipoukana. Thank you.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.